Bonsoir Quentin. On était avec Tristan juste avant donc pour cette victoire 3-1 face à Caen. Tu es entré en jeu donc en deuxième position ce soir. En tout cas, tu as joué le numéro 1 dès ton entrée. Un défenseur, donc assez particulier. Est-ce que c'est un style de jeu qui te plaît habituellement ou pas forcément? Et puis lui, plus particulièrement, qu'est-ce qu'il en a été? Non, je pense que c'est pas le jeu que j'affectionne le plus, la défense. Après, lui, c'est quand même assez spécifique. Il attaque très très bien du coup droit, il prend souvent l'initiative. Du coup, je savais qu'il y avait, il allait avoir des possibilités. Je savais que par contre, il fallait faire un très très gros match pour pouvoir l'accrocher. Je pense avoir pas démérité. J'ai fait un bon match, le match que je souhaitais faire. Après, je suis habitué à la belle et ouais. Ça tombe pour lui. C'est un très bon joueur, il est mieux classé que moi. Il a été meilleur que moi sur la partie. Et puis voilà, mais l'essentiel, je pense que ça a été de faire un beau match. Et, parce qu'il y a des matchs qui vont suivre, vendredi à Pontoise. Du coup, c'est top d'avoir montré que j'étais capable d'être là et d'avoir fait un bon match. Je pense. Ouais. Donc, tu parlais de vendredi, donc c'est à N-Bomb, hein, c'est bien ça. Tu arrives de N-Bomb, donc est-ce que c'est un match un petit peu particulier pour toi? Moi, c'est un match très particulier. Ça va me faire vraiment bizarre d'être de l'autre côté de l'aire de jeu, mais je vais être encore plus motivé pour. Parce que là, déjà, on est en très bonne position, trois victoires sur trois, donc c'est vraiment top. Ça va être N-Bomb, c'est un concurrent direct pour le titre. Du coup, voilà, va falloir faire un très gros match. Ça va être, on va devoir montrer notre meilleur visage et j'espère que ça va le faire. Leur équipe a évolué forcément parce qu'il y a dû avoir au moins un remplacement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe? Mais ils ont une équipe très homogène. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui est meilleur que l'autre. Ils ont vraiment des styles vraiment variés, de gaucher, de droitier. Du coup. Je ne sais pas du tout la composition qu'ils vont faire, la nôtre non plus, ça va être. C'est que des mecs dans le top 100 mondial, du coup ouais, ça va être une très très grosse rencontre. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui on ne savait pas trop si on allait être favori ou pas. On arrive à gagner le match 3-1. Tristan fait deux énormes matchs et Dédé arrive à assurer. Donc voilà. On a un bon statut maintenant avec la position qu'on a dans le championnat. On ne s'attendait pas du tout à ça et voilà, pour l'instant. Ça se passe bien, on ne prend pas la tête, on prend les matchs après les uns après les autres et pour l'instant ça fonctionne bien. Ok, je te remercie Quentin.